En France, à Paris, à la MNEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France, les élus et représentants syndicaux demandent la désignation d'un administrateur provisoire. L'actuel directeur général a confirmé son intention de quitter ses fonctions à la fin du mois. La MNEF, il faut le rappeler, compte 700 salariés et gère le régime de sécurité sociale de 800 000 étudiants. Des procédures judiciaires sont en cours, mettant en cause certains dirigeants et leur gestion frauduleuse de filiales. Enquête Olivier Caroff, Thierry Curtet et Pierre-Laurent Constant. Dans moins de 15 jours, Olivier Spitakis aura quitté son bureau de directeur général de la MNEF. Une démission déjà annoncée pendant l'été et qu'il a confirmée aujourd'hui au comité d'entreprise de la Mutuelle étudiante. Communique presse des élus et représentants syndicaux. Depuis l'ouverture d'une information judiciaire la semaine dernière, les syndicats voient en effet dans le départ d'Olivier Spitakis le seul moyen d'en finir avec le scandale. Nous voulons qu'il parte parce que simplement aujourd'hui il fait l'objet de tous les feux des médias, hein, je crois que vous en êtes les premiers conscients, et qu'à partir de là nous pensons qu'il est bon pour la MNEF qu'il soit coupé de l'entreprise. Car la justice s'intéresse de près à la MNEF et particulièrement à ses contrats de communication. Une ancienne employée chargée des appels d'offres affirme qu'il y a eu surfacturation. Licenciée, elle préfère garder l'anonymat. Nous étions en réunion, une quinzaine de cadres. Et là, le responsable de la branche, Frédéric, nous a dit que la direction générale refusait de commander à des prix intéressants. Elle préférait la société SPIM. SPIM, c'est une filiale de la MNEF et son devis semble effectivement peu compétitif. Exemple, les 1000 enveloppes sont facturées 188 francs à la MNEF. D'autres entreprises proposaient le même produit à moins de 120 francs. Olivier Spitakis ne répondra pas sur ce point, ni sur l'article du Parisien où l'ancien employé parle de 100 millions de francs détournés chaque année. Seule réaction, un communiqué lu par la présidente de la Mutuelle. Nous nous tenons donc tous à la disposition de la justice et j'ai confiance en elle en ce qui concerne son problème pour démêler d'éventuelles rumeurs, des calomnies ou d'éventuelles fautes pénales. Parallèlement à l'information judiciaire menée par deux juges d'instruction, une enquête préliminaire a été confiée aux policiers de la brigade financière. Et cette fois, ce sont les filiales de la MNEF qui sont concernées. Selon l'employé licencié, certaines ont servi à d'étranges opérations. Bien, le jeu consiste à créer une société avec quelque part un capital très faible, qui n'a aucun client. La MNEF devient client. Apporte toute sa puissance de frappe, le chiffre d'affaires commence à monter, la MNEF se débarrasse de ses parts et doit les racheter 2 ans plus tard au prix fort. Alors que certaines des entreprises visées par les enquêtes sont connues pour leurs liens avec les socialistes, OPS, on se dit aujourd'hui serein. Nous avons dit clairement que le Parti Socialiste, depuis 1990, les premières lois sur le financement de la vie politique étaient parfaitement en règle avec ces lois, offrant le franc, à la publication de ses comptes, publication sur ses recettes officielles. Donc nous n'avons rien à craindre de cette affaire. L'affaire MNEF deviendra-t-elle une affaire politico-financière? Pour l'instant, c'est surtout le problème Spitakis que la Mutuelle tente de régler.